Donc là, tu vas faire quoi qu'avec Bookmap? Que Bookmap là, en simu pour l'exemple. Ouais. Comme la matinée est terminée, et puis là il y a machin qui parle, comme tu dis, Janet là. Pas de prendre de Ouais, risques, c'est ça. pas perdre les gains du matin. Faire que de la simu, et puis j'en profite pour filmer du Bookmap. Je vais me mettre le. Oh, même pas. J'allais dire, je vais mettre le snake du DAX, même pas. C'est bien, Dean, il m'a demandé qu'on a joué contre un cumulé, hein, c'est sur les actifs. Sur quel actif? Sur tous. Ah Et j'ai dit pas plus de 4. Comme ça. ouais, faut être prudent. Donc il m'a tout mis à 4. Tout mis à 4 contre 1. Le DAX Comme aussi? ça, c'est maxi que je peux. Le DAX Je aussi? pourrais jamais aller. Ouais. Ah putain, c'est cool. Comme ça, je pourrais aller sur aucun actif pour aller au-dessus de 4 contre 1. Même si j'ai envie, comme ça m'évite de faire Des bêtises. des merdes, quoi. Ah ouais. Voilà. C'est Alors ça. attention, ça redescend, on vient d'avoir un signal, donc j'ai une imbalance longue là. On va voir si elle se vérifie. Ou pas. Ah putain, mais non, je ne vais pas rentrer là, mais non, c'est n'importe quoi. Donc, moi, je vais faire en simul. Si jamais c'est bon, je rentre en simul dessus, mais je ne vais pas rentrer en réel. Avec l'autre à 5 minutes de parler là. Ouais, elle parle dans Ouais, 5 minutes, c'est à 4 heures qu'elle parle, fais gaffe, hein. c'est pour ça, je vais pas rentrer maintenant. À Non, 5 minutes qu'elle prenne la parole. ça serait vraiment ridicule. C'est clair. C'est pour ça que je me suis mis en simule, là, hein. C'est ma Il faut journée, prendre le bâton pour se faire mettre. journée est terminée. Là, je vais rentrer sur Jigsaw là. Je suis content les petits scénarios que j'ai Je vais donnés rentrer un peu. dans ma petite vidéo pré-marché étaient cohérents avec ce qui s'est passé dans la journée, donc je suis assez content. Si ça peut aider quelques-uns, j'ai déjà reçu quelques messages pour me dire que c'était bien. En fait, je prépare tout le monde parce que dans quelques temps, ça sera 300 $ la vidéo. T'as raison. Ouais, j'ai demandé à Underflowage, j'ai touché la ronde d'hier. Yes. En fin de compte, ils passent même pas leurs indicateurs, quoi. Et quoi? Quoi? J'ai pas Ils compris. ne passent même pas leurs indicateurs. C'est-à-dire que tu peux même pas les avoir, quoi, donc je vois pas l'intérêt, quoi. Pfff, ouais, n'importe quoi. Alors, du coup, j'ai envoyé un mail, j'ai dit, OK, si on trade le DAX, le crude, le gold, je fais comment on fait? Bah ouais. Il les passe pas du tout ou il les passe pas en démo, tu veux dire? Ah non, il passe pas du tout. Ah oui, donc il faut suivre sa Ils room, sont c'est ils... tout. Voilà, il faut se connecter à la room et tout, c'est ce qu'il dit. Oh bah Mais ouais, mais il n'y super, a que le SP. aucun Vu que c'est pas intérêt. le SP, ils font pas. Aucun intérêt. Ah non, aucun. C'est dommage, puisque c'est vrai que ces banques basées sur l'ordre flow, ça pouvait être pas mal, quoi. Mais Ah, j'ai pas bien compris moi. ça paraissait assez pas. Mais c'est pas mal, quoi. Je sais pas si t'as compris quelque chose, moi j'ai rien compris. Ici, moi, bah, en fait, si tu l'aurais, je m'en foutais un peu. Le seul truc qui m'intéressait bien, c'était ces banques. Parce que c'était des banques basées sur l'ordre flow. Et donc c'était plutôt pas mal et assez pertinent en plus. Ouais, donc je trouvais ça pas mal. Mais bon, si on ne peut pas les avoir. Hein. Mais je vais voir. Il faut que je vois ça. Maintenant, je vais laisser un peu tout tomber là, puis on verra ça à la rentrée tranquille. Là, il faut juste que je joue avec Gauthier. D'ailleurs, j'ai complètement zappé ce matin de me demander. Là. Faut jouer avec Gauthier s'il peut me mettre les indicateurs classiques, là, les mettre en Ascusum Studio, hein, qu'on puisse les mettre dans le DOM. Putain, le tapis à folle, là, il commence. J'ai pris un trade là.
Snake qui parle de Allez, c'est Snake. bon. 62,50 € déjà pour commencer. Donc là, c'était un bon point d'entrée. On voit bien le... Putain, quel dommage que je n'ai pas la balance. Hein. On voit bien une petite accumulation qu'il y a eu là. Je suis rentré, j'ai eu un petit drawdown de 3 ticks et puis boum, c'est parti. Les 58. Pourquoi je suis en 2 minutes là-dessus? Bon, 4 heures. Ah, t'as vu ça, mon signal, non, il était bon encore, hein, celui-là. Merci. C'est parfait. Hein. Là, tu rentres là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va plus ouvrir. Allez, encore 62,50. Même un peu plus, j'ai eu un slippage positif là. Parce que j'ai gagné 100 €, donc j'ai eu un slippage positif. Ça paraît simple le trading, hein, parfois. Parfois. Ça peut paraître simple, hein. C'est ça le piège.
Bon, C'est quoi ce bruit? attends. C'est quoi? Ah putain, allez, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Ce Parce que le bruit? tape. Ah oui, d'accord. C'est les herbes. Ok. Attends, j'arrive pas à le régler comme il faut. Enfin, les allers-retours qu'il fait, c'est impressionnant. Tu vois, regarde, du coup, à faire un thème, voilà, tu vois, je lui ai pris un balance longue, hein. En plus, sur le pile-poil sur VRL. Alors, clôture de la bougie, ici. 1, 2, 3 tiges, j'aurais pris mes deux tiges déjà. J'ai pris Donc, je un vais long. avoir un bail, là. J'ai pris un long, mais J'en fais. sais pas si je vais rester dedans. Je vais peut-être me couper une petite main. C'est bon, ce sont plus qu'un envoyé économique. Hop. Ouais, je vais me faire sortir. J'ai resserré mon stop. Parce que je sais pas. Je sais pas, j'y crois plus trop à mon truc. Ah, ça y est, ça repart. Avec un peu de chance. Allez, c'est bon, vas-y. Non, 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 il veut pas. Ça aurait dû déjà. Allez, je prends 3 tics. J'ai pris 3 tics, donc je suis à 200 euros là. Je me suis sorti à 3 tics parce que j'y croyais plus. Ça n'a pas été
aussi vite que ce que j'aurais voulu comme réaction. Donc je préfère sortir. Prudence, même en simulation. C'est vrai, hein, pour acquérir les bons automatismes, faut être prudent même en simulation, faut être exactement pareil qu'en réel. Moi, c'est grâce à ça que... Attention, il y a peut-être un trade à prendre là. Ah, trop tard, il est parti sans nous. Ouais. Là, j'aurais fait un beau petit trade aussi. C'est dommage. Je bavarde. h 07 est passé là, il est quelle heure? Ah oui. 19. Merde. Ah bah dis donc, il était bon. Hein. Il était... Attends, je coupe 2 secondes. Je coupe la vidéo. Bah, t'as vu mon avalanche longue, là, putain, elle était bonne, hein, ça fait chier, putain. Fais voir, attends. Parfait. La balance Ok. longue. Donc, Ah ouais, ah ouais, elle était 1, belle. 2, 3, Putain, ouais, tu 406 m'étonnes. déjà. Et je suis pile poil sur ton niveau à 71, Ah ouais. 75. Ah ouais, non, magnifique. Non, j'ai pas Superbe. pu l'anticiper et jouer le niveau. Ça te Et comme faisait il est en 1, pointillé, tu vois. 2, 3, Par contre, tu 4, vois, 5, j'aurais bien un short maintenant. 6, 7, 8, 9. Ça faisait Donc, tu vois, peut-être une 9 galère de la tics. remonter. Ça te faisait 9 tics jusque-là. Jusque-là où on est. Ouais, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Magnifique. Mais bon, 16h03, c'est 3 minutes après le serment de Janet, là, donc c'est chaud. Je sais pas si elle raconte grand chose Elle a prêté d'intéressant, serment. honnêtement. Hein. Non, non, elle a prêté serment. C'est tout, ouais. Elle a prêté. Je crois que c'est aujourd'hui et demain aussi. Tu vois, c'est pas tellement méchant, ça fait pas super bouger les marchés. Non, ça va. Mais bon, il vaut mieux être prudent quand même. C'est clair, c'est clair. Je voulais aller sur la... mettre la route de Rome, là. Mais on a reçu un mail, là, comme quoi il ne pouvait pas ouvrir la route aujourd'hui. Je pense que j'irai demain si je suis réveillé, qu'il ouvre à 14h pour préparer tous les grands. Ouais. Donc ça peut être sympa comme ça de voir un peu. Sans mettre forcément de son. J'ai pris un short et voilà, exécuté. 262 euros.
Celui-là était superbe, hein, regardez. Je parle à la vidéo, là, Thierry. Il était magnifique à prendre, hein. Vraiment, on a eu un super signal dans Bookmap sur les 62. J'ai pas hésité une seconde à prendre mon short. Un dixième de seconde plus tard, j'étais sorti du trade. Hein. C'était rapide. Hein. Là, je viens de prendre 4 trades, 4 gagnants. Je suis à 262 euros en même pas une demi-heure. Et voilà quoi. Bon, je suis rentré là, j'ai tenté un short. Quand on le maîtrise, c'est un outil formidable. Mais il faut vraiment le maîtriser et faire vraiment que ça, quoi. C'est ce que je suis en train de faire là. Je n'ai que ça là. Tu vois. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Non, j'ai changé de chute en plus. Comment j'aurais dû Honnêtement, rester. ça doit être. Eh, j'aurais dû y rester dans mon trade. Allez, sorti. Exécuté, sorti. Royal. Eh, t'as vu ce trade là? Putain. Bien, bravo, t'as Allez, fait j'ai combien? pris 50 euros, 50 dollars C'est bien, bravo. sur l'esprit. Nickel. Nickel. J'ai joué la cassure, la 201. Alors par contre, c'est ça qui est chiant. Tu vois, ce qu'il devrait rajouter, c'est une fonction recentrage. Parce que là, je suis tout en bas. Je ne vois plus ce qui se passe. J'ai toutes les limites au nord. Et j'en ai que très peu au sud en fait, parce que les prix sont tout en bas. Il n'y a pas de fonction recentrage, sauf si tu zoomes et tu dézoomes. Mais moi j'aime pas dézoomer, j'aime bien être très très serré, tu vois. Ça c'est un peu embêtant ça. Je remettrai un message sur le forum. Faut absolument qu'il rajoute une fonction recentrage du DOM, quoi. Voilà, on laisse un paquet de petits gaps au-dessus, hein. Je te le dis moi. Alors, attention, parce que là, j'ai un achat. Je l'ai pris. Voilà. J'attends la clôture de la bougie, il y a un signal sur les tics. Oh, il est bon, hein. Putain, là. Attendez, hey. C'est dommage que la bougie n'ait pas encore clôturé, je peux pas le prendre. Mais ce trait bleu, là, c'est un signal sur les tics. Un signal long sur les tics. Ouais, on va aller voir. C'est pas compliqué, hein. Allez, allez, vas-y, monte. Ouais, voilà, c'est Alors, ça. envoie-moi tout. Il y a eu une lecture à presque moins 1000, quoi. Pas tout à fait. En tous les cas, moins 800. 800, un petit peu plus de 800, quand même. Ouais, un petit peu plus. Ah ouais, j'étais loin, moi. D'accord. Et on a un Oui. tick pressure. Moins 877. Moins 877, on a fait. Et bah, il était magnifique le signal. Magnifique. Allez, 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 allez. Regardez comme à la clôture de même. Regardez le Oui. signal. Magnifique. Superbe. Deux, trois, allez, trois, mais encore un. Allez, encore un, vas-y. Allez, sorti, quatre tics. Bravo. 50. Bravo. J'ai pris la balance, hein. La balance longue, hein. Bravo, bravo. Et puis pour en plus sur un niveau. Ah ouais, belle hein, sur. Ah oui, encore une fois sur ton niveau, quoi. Effectivement, ouais. Ça Ouais. plus l'éthique, ça plus l'éthique, je suis rentré. Ouais, ça plus l'éthique, magnifique. Superbe. Oh.
Putain, continue à monter, toi, j'aurais pu rester un peu. Voilà. Il aura fait le yo-yo aujourd'hui, hein, putain. Quoi? Je dis ça aura été le yo-yo aujourd'hui, hein. Je parle sur le DAX, on est monté en haut, on est redescendu tout en bas, on est remonté tout en haut, on est descendu tout en bas. On est en train de remonter maintenant. C'est fou. Incroyable. Ça vraiment Ça, qu'est. j'aurais l'impression à 178 là, à l'achat. Ça va manquer bien avec le 210, DAX. non. Tu sais ce qui est bien aussi, c'est le market buddy. Je le reteste en ce moment, tu vois. Le coup. Le market buddy de Kanyani, de Bala. C'est pas mal, hein. Là, sur le DAX, il a donné un bon signal. Il y a une petite flèche qui apparaît en plus en même temps sur les graphiques, quand il passe bleu. Market buddy. Je l'avais un petit peu mis de côté, ce Ah, le truc. coup. Ouais, le buddy, mais. Il est pas mal, hein. Je l'ai regardé 2-3 fois comme ça. Et donc du coup, Attention à je prendre au cordeau, tu cherches le l'ai. Du coup, je l'ai mis sur mon graphique en footprint. regarde ça, putain, pourquoi je suis pas resté dedans? Oh là 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 là. Ah, j'ai une belle imbalance short là qui est arrivée. On va voir ce qu'il reste. Parti. On arrive à un niveau là, par contre, sur la droite, là, ça va du coup, ça va plus. Moi, par contre, je vais mettre que 3 trucs. Allez, 1, 2, allez, vas-y. Allez, je sors. Premier trade perdant. Pas méchant, c'est pas bien grave. Ah, tu vois, j'aurais pu rester. Il aurait pas été perdant. Non, bon, tant pis, c'est pas grave.
J'ai préféré sortir. Mais c'est bête de ma part. Je pense qu'en réel, je serais sorti aussi. Ça commence à devenir un petit peu trop chaud. Allez, voilà, j'ai pris un tic. Parce que je ne changeais plus. Pas non plus. J'ai même pris un tic. C'est déjà mieux que moi qui ai fait une Ok. perte. Voilà, mais tu vois, ce qu'on est en place à mon niveau là, et entre la VRL, mon niveau, c'est. Il m'a donné trois tout à l'heure et je ne les ai pas pris. Car il me fait de les prendre, mais moi j'ai pris un, c'est pas grave. Tu vois, ça existe en mode. Oh là là. Alors voilà, j'aurais fait mes quatre tics. Tu vois, comme quoi, faut rester patient avec le SP. J'avais pas mes points de sortie, donc je suis pas Ah, je me content, suis puis je suis content. trompé, quel abruti, Faut vraiment putain. que je Attends, m'auto-maîtrise j'enlève là-dessus. mon. Je vais m'en rajouter un. Ouais, ça pourrait être pas au-dessus, passer au-dessus de Tac. confiance. En plus, là. On a un bon niveau, je suis beau confiance. Hein. Je cherche un café. Je suis pas dans le bon sens là. Merde. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Alors, je suis pas du tout dans le bon sens. Ah merde, 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 tiens, c'est là qu'il faut que je rajoute. Hop là, allez. C'est bon. Faut que je réagisse, moi.
On revient sous le point pivot là. Ça devrait redescendre. J'ai trois contrats là. Et je vise la cave. Je m'arrête pas avant la cave. 1 milliard de dollars. Par contre, ils mettent une pression sous les prix depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Laissez descendre, laissez descendre. Moi, je vise la cave. J'ai eu un petit drawdown pour 3 contre 3 qui est pas énorme, hein, de 580 euros. Et là, je suis revenu presque à zéro, là. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. C'est quoi ça? C'est mon TP, hein. Je vais l'enlever. Je vise au moins le drawdown que j'ai eu, hein, c'est-à-dire 580 euros. Ce qui n'est pas énorme avec 3 contrats, hein. C'est rien, hein. C'est mon daily loss journalier ça. Même moins parce que il est à 600, 600 euros, 600 dollars mon daily loss journalier. Ouais, j'ai mis à 500. Moi je l'ai mis à 600. Bon, je pousse ça, on voit rien. Allez, la cave! Je vais me chercher un café. Bon. Ça a monté là. Quand on revient à ce niveau-là, là, j'ai envie d'en mettre qu'un quatrième, mais non, j'en prends que trois. Tu vas pas me dire qu'il va remonter tout encore. Putain. Allez, va à la cave. Ah ça y est, une petite pression au-dessus là, allez, continuez. Voilà. Ah là, c'est bien. Toujours mes trois contrats. Ah il veut J'ai pas pas ouvert descendre. quoi. Ah il veut pas casser les. C'est les 44 qu'il veut pas casser, il nous fait chier. Chaque fois qu'il revient sur 44 et boum, il remet un coup de pédale au nord. Ça, c'est énervant. Et là, il va y retourner, hein, parce qu'il y a. Vas-y, casse-toi la gueule.
S'il casse les 44, c'est bon. C'est la cave. C'est la cave. On est sur la VAL du jour, c'est ça aussi, hein. Allez, à 46. Bon, ça y est, c'est bon. Allez. Allez, à la cave, s'il te plaît. Chier. Allez, c'est bon, la cave. Voilà, ça c'est bien. Allez, on est short, 400 euros. Allez, on Your sort. line is now muted. On sort, on sort, on sort nos quatre Mec, je sais contrats, plus nos quel mot, trois je connais, c'est contrats. sûr. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Quatre cents euros. Putain, pourquoi je suis pas rentré dedans? J'ai des problèmes de micro? Attends, je dois avoir des problèmes de micro, moi c'est sûr. Ça doit hacher encore. Your line is now C'est pas unmuted. le problème, c'est que t'arrêtes pas de parler et tout, c'est souvent. Ah, pardon, je me suis même pas rendu compte. Excuse-moi. Je me faisais la même remarque à ton propos. C'était quand? C'était hier matin. J'essayais de me Oui, concentrer, j'y bah. arrivais pas. Sauf que la différence, c'est que moi, je suis là pour ça, quoi, à la base. Je me tais. Bon, c'est bon, t'as gagné ton trade alors, il est parti à la cave ou quoi? 400 euros avec trois contrats. Oh putain, nickel. Bravo. Pas mal. Ah, et puis là, j'ai les boules, hein, parce que j'avais un beau volume à balance, là, je l'ai pas pris, j'ai pas osé le prendre, regarde ça. Quand t'as dit à la cave, là, il est parti. Bah alors, fallait me suivre. Mais oui, mais t'es trop tard. C'est trop tard. J'ai hésité, hein. J'avais le doigt sur le bouton et tout, et j'ai pas osé. Il y a ces petites, la balance, 323 contrats. Et regarde ça. J'aurais pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres. Enfin, j'aurais pris mes 4 titres encore. On fait 4. Putain. Et là, regarde, il y avait la balance longue. Alors, je ne l'ai pas pris, je ne sais pas. 1, 2, 3, pour l'instant. Par contre, tu mets 2 TP, tu mets un TP à 2 tics. Tu es gagnant à tous les coups. C'est clair. Sans aucun doute. 25 euros, 25 dollars à chaque fois pour 400 dollars de commission. Ça va quoi? Pour 20 dollars net chaque trade. Quand tu sens que ça peut être bon, bah, tu écartes le TP et puis voilà. Vais me chercher une clope. Arrête de fumer. Mais c'est prévu, hein, c'est prévu. Je vais arrêter. Ma femme aussi. On a même été voir dans le magasin, au magasin les trucs là, les cigarettes électroniques. J'ai vu des Ah machins. non, mais Hein. Oh. J'ai vu des trucs comme ça. non. Il est juste sur mon ordre et tout, il m'a pas fait. Ah bon, je suis 850e. Ouais, ils sont combien en tout? T'es 850e sur combien? Alors, je suis plus que 500e là, sur 535.
pour l'instant. Ça y est, je suis pris. 5 centièmes sur Alors. 155, ça va. Oh putain, il y a l'essence. Oh. Oh là là, il s'affole le type là. Voilà, on va se calmer les filles. Oh, je vais me faire squeezer la chaussure. Non, non, c'est pas grave, c'est son pire jamais ça. J'ai testé le Moyen-Âge avec le SP, tiens. Le quoi? Le Moyen Âge? Ouais. Pourquoi donc? Pourquoi tu dis ça? Pour voir si ça fonctionne. Ah, le Moyen Âge! Oh putain, eux là. J'avais compris le Moyen Âge, tu sais, le tiers-âge, quoi, avec les chevaliers en armure et tout. Je me disais, mais ça veut dire qu'il va plus utiliser aucun outil, plus rien, tu sais. Il va retourner au Moyen Âge, quoi. J'avais pas compris. Oh putain, faut que j'arrête, moi. Mort de rien. Allez, je rentre long. C'est risqué, ce que je fais. J'attends, j'ai mis un ordre sur l'accent. Alors là, on vient d'avoir les tics là encore. Ouais. Impression des tics là. Je ne sais C'est pas pour quand ça que le futur va nous c'est pour ça réserver. que je suis rentré, c'est pour ça. Donc comme on va chercher quelques tics, ça va, c'est pas méchant. Allez, c'est bon. Oh putain, il est venu me sur mon ordre, il m'a pas pris. Ça y est, je suis pris. 50 euros. Encore une. Ouais. C'est à cause des tics que je suis rentré en fait. Enfin, grâce aux tics. Et Bookmap aussi. Hein. Il y avait un super niveau Bookmap. Même sur le footprint d'ailleurs. Une belle avalanche acheteuse sur mon footprint. Et un signal sur le volume delta divergence. Il y avait tout quoi. Il y avait tout. Il va arriver sur S1. Ouais, mais le redon n'est pas énorme, on a 100, 112, tu vois. Non, c'est bien, ça va. Pour l'instant. C'est rien comme ton donne, ça. Non. La balance proche de 140. On a la balance acheteuse. C'est toujours la bougie. Allez, il y a des noms qui arrivent, c'est bon, allez, allez. Ça bouge plus là. Ça, ok, donc j'ai remis un contrat. Je suis en train de faire combien? 57,50. Ah oui, non, je ne sais pas.
Putain. Maintenant, 2460, c'est pas mal. Et tu vois, regarde, je suis rentré, 1, 2, 3, 4 tics, hein, par exemple, Ouais. direct. Alors, si tu les prends tous, tu es concentré dessus, si tu les loupes pas, voilà, sur les 5 que t'es, sur les petits trucs, tu fais 2 tics, là, tu fais 4 et tu comptes. Hein. Allez, remonte sur la zone de single. Short qui arrive. Oh putain, 1000 shorts là. Ouais, ça y va, ça y va, ça y va. Oh la vache. Putain. Ah, c'est chaud et marron. J'ai mon troisième contrat qui va arriver là sur les 100. Ouais, je rentre long, tiens, pour quelques tics. J'attends que Allez, tu c'est appuies, il est bon. chaud, on n'a pas mis. Et hop là, en dixième de seconde, j'ai fait mes 75 euros. On est arrivé sur un niveau bookmap qui était magnifique. Et le DAX, on va avoir fait tout en haut sur la queue de Je... vente d'hier et tout en bas sur la queue d'achat. C'est incroyable. T'es en trade? Ouais. Mais là, il est mort. Là, il est mort. On arrive sur une zone de single, on va voir. À 63, là. C'est plus bas d'hier. On va aller chercher les 62,50. Cherché plus là hier. On va tester, c'est normal. J'ai un ordre dessus de toute façon. Si je crise par contre, là, c'est bon. Ouais, moi Moins 400, gros. 500. j'ai un ordre aussi sur 707, le haut de la zone de single sur la DAX. Là, c'est ce qu'il va dire, c'est sûr. Quand on a une belle imbalance tombe là, ce serait bien quand même. Là, celui-là, c'est pardon, par contre, celui d'avant.
Allez, attention. Je suis gentil. Non, je vais l'enlever parce que j'ai dit que je traitais que Bookmap. Pas faire la zone de single. Il y a un type de mon ordre. Ils sont en train de se tâter là. Qu'est-ce qu'on fait? On casse plus bas. On a testé, c'est bon, on se casse, on remonte. Allez, remontez. Je t'ai chier. Ah, ça y est. J'ai été pris. Bon, et celui-là, si je le perds, ben je le perds. Hein. Donc, ça me met 65, 50, 66, 50. Ouais. Et on verra bien. Moins 487, là, j'étais. Waouh! 4 contre 1. Là, si on ne remonte pas là, c'est mort. On a encore eu un tic là, des tics là qui sont arrivés. Allez, vas-y, remontez. C'est pas chier. On y va. Allez. Plus de violence là, je n'ai que remonter là. Allez, je rentre long. Une petite pression bookmatienne. Oh, ça s'arrête. Ça va pas bien haut tout ça. Oui, ça y est, c'est bon. Je crois que j'ai fait qu'un trade perdant. C'est bien. Je suis à 712 euros. Excellent. N'y a qu'une seule fois où j'ai pris 3 contre 1. Mais j'étais sûr de moi, quoi. Putain, en plus on arrive sur un short. Là. Allez, monte. Je crois que je suis pas en train de la tête avec celui-là, tu vois, je pense que je vais sortir sur une tête à zéro. Parce que. Histoire de j'ai la chance qu'il y a Allez, gentil. Aïe! Ah, bah dis donc. Bravo! Bien joué, Bravo! quand même. Hein. Bravo! Nickel! J'ai chaud au cul-cul, hein. Ouais, Bon, le Moyen-Âge marche bien quand même. quand tu sais ce Avec que les tu autres. fais, quoi. Quand tu sais où on va. Enfin. Ouais, c'est ça. Bref. Tu m'as compris, quoi.
Là, c'est voilà, les plus bas d'hier, c'est vraiment un bon point pour rentrer d'ailleurs. C'est comme moi tout à l'heure, j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai pas fait n'importe où. Je savais qu'on allait redescendre. J'ai pris trois contrats dans la montée jusqu'au point pivot. Je savais qu'au point pivot, ça allait redescendre. On est dans le sens de la tendance, c'est hyper baissier. Pas de problème. Alors, est-ce qu'il y aurait un petit short qui se profile à l'horizon ou un squeeze en or? Je vais laisser mes plateformes ouvertes et peut-être que je viendrai ce soir de faire une petite séance tranquille, histoire de voir, en réel. Maintenant que je suis revenu avec Infinity, il faut absolument que je me passe un ordre en réel pour recliquer sur la plateforme. Non, c'était vraiment un ESP, c'est pas mal. Ça. Il a cassé la zone de single, pullback dessus, et on repart en bas. Et pas, pas. C'est assez, assez classique. Là, il va revenir, tu vois, il va presque à la hauteur de la zone de single. Qu'est-ce qu'il va lancer, Martin? Il va marquer le gros, là. Il va passer là. Allez, je short. Pourtant, j'ai pas. Maintenant, je vais pas tester celui-là. Je remets un On a eu si on y va. un signal. J'en remets un à 35. On a trois impressions tic, hein, quand même. Et 1 à 38. Et on revient sur la zone de single. Putain, j'aurais pu rester. Hein. J'aurais fait mes 4 tics comme prévu. Avec 4 contrats, c'était bon. J'avais $200 sur le trade. Hein. Ah! Un peu ballot. Demain matin, par contre, j'ouvrirai la ronde de bonheur. Parce que moi, il faut que je m'en aille. Il faut que j'aille absolument les récits demain matin à 8 h. Donc, je ne serai pas là pour l'ouverture du gap, là. Mais par contre, j'ouvrirai la ronde avant de partir. Je pense que je vais D'accord. partir de chez moi vers, je sais pas, vers 8 h moins quart, moins 20, moins quart, quoi. Donc, j'allumerai la ronde avant. OK. Tu reviens à quelle heure, tu sais pas? Bah, Bah pas non, ça. quand t'es parti dans ces trucs-là, tu sais Bah, pas. non. Voilà. Et c'est fini, je reviens, quoi, mais il faut absolument que j'y aille demain. Hein. Je crois que j'ai fait une couille sur le site internet autour. Là, mais je me demande si c'est mon paradis, quoi. Oh là, ce serait bien dommage. Donc, absolument que j'y aille. J'ai reçu un mail aujourd'hui. Vous avez demandé la radiation, machin. Je suis. Oula, c'est quoi ça? Là, c'est quoi ça? Donc, demain matin, l'ouverture, gigot. C'est 17 h qui sonne là. Donc moi j'ai bientôt fini ma journée. C'est mon dernier trade là.
D'ailleurs, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai un contrat en cours, mais allez, je prends mon tic. Allez, 62 € en plus. Au moment de sortir, bah, il a squeezé au sud. Voilà, bon, la journée est finie. 775 euros. J'ai pris trois contrats juste à un moment, c'est tout. Une seule fois. Et combien en réel dessus? Ce matin, j'ai fait 8 points. 16 ticks. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas 775 euros. Oui, bien sûr. C'est bien déjà. Ah, mais j'aurais peut-être dû continuer la preuve, t'as vu un peu? J'ai fait 700 euros cet après-midi. Ouais, c'est bien. J'aurais dû continuer. Et puis avec Ouais, une. j'ai regardé le dernier challenge. Ouais, moi aussi je l'ai regardé pendant ma sieste. C'est Hein. triste. C'est vachement triste. Attends, je coupe la vidéo. C'est hyper triste, quoi.